Le guide complet pour garder votre taille petite et rester en forme. Pourquoi est-il important de garder votre taille petite? Garder votre taille petite est important pour un certain nombre de raisons. Il peut réduire le risque de maladies cardiaques, de diabète et de cancer. C'est aussi lié à la longévité. Les avantages pour la santé de garder votre taille petite sont clairs. Garder votre taille petite peut réduire le risque de maladies cardiaques, de diabète et de cancer. En fait, cela a aussi été lié à la longévité. Le poids auquel l'indice de masse corporelle, IMC, d'une personne est de 18,5 à 24,9 est considéré comme un poids santé. Le poids auquel l'IMC d'une personne est inférieur à 18,5 et supérieur à 24,9 est considéré comme un poids normal. Nous voulons tous maintenir un poids santé et rester en forme. Mais il peut être difficile de trouver le temps de faire de l'exercice et de saines habitudes alimentaires avec un horaire chargé. Voici quelques bons conseils pour rester mince. La nouvelle année est arrivée et avec elle les bonnes résolutions pour retrouver la forme et rester en bonne santé. Beaucoup de gens commettent l'erreur de suivre des régimes à la mode ou des régimes d'urgence, mais cela peut avoir des effets négatifs sur la santé physique et mentale. La meilleure façon de perdre du poids est de changer lentement vos habitudes de vie et de vous en tenir à une alimentation saine. Comment bien s'habiller et garder la même taille? La première façon de bien s'habiller est d'être conscient de sa morphologie. La seconde est de savoir quelles couleurs vous conviennent le mieux. La troisième est de savoir quels tissus conviennent le mieux à votre morphologie. Il existe de nombreuses façons pour une personne de bien s'habiller, mais il y a trois choses principales qu'elle doit garder à l'esprit. Tout d'abord, ils doivent connaître leur morphologie et choisir les vêtements qui leur conviennent le mieux. Deuxièmement, ils doivent prendre en considération les couleurs qui leur conviennent le mieux et choisir des vêtements avec ces couleurs lorsque cela est possible. Enfin, ils doivent s'assurer que le tissu de leurs vêtements convient à leurs besoins, car il peut être difficile pour certaines personnes de porter certains types de tissus en raison de la façon dont cela affectera leur peau ou la forme de leur corps. Conseil de style pour les femmes petites. Si vous êtes une petite femme, vous porterez probablement des vêtements trop longs et amples. C'est un problème car cela peut vous faire paraître plus lourd que vous ne l'êtes. Les vêtements de petite taille ont tendance à être ajustés. Une solution simple consiste donc à trouver des vêtements qui correspondent mieux à votre morphologie et à les ourler. Comment être à la mode quand on est petite? Il y a plusieurs façons d'être à la mode quand on est petit. Une façon est de porter un tutu. Les tutus sont la tenue parfaite pour une petite fille qui veut se sentir chic et jolie. Ils viennent dans une variété de couleurs, de motifs et de styles. Il y en a donc pour toutes les filles. Un guide de style pour les petites femmes. Les petites femmes ont du mal à trouver des vêtements qui leur vont, mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Cette vidéo fournit un guide de style spécifiquement pour les petites femmes et quelques conseils sur la façon de trouver les vêtements parfaits pour votre type de corps. Des pratiques alimentaires saines pour vous aider à atteindre un poids normal. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour améliorer nos habitudes alimentaires et être en meilleure santé. Nous devons nous assurer que nous prenons le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner avec une variété d'aliments. Nous devrions également essayer de manger des collations saines entre les repas. Manger sainement ne concerne pas seulement ce que vous mangez, mais aussi la quantité que vous mangez. Vous devez faire attention à vos portions et vous assurer qu'elles ne sont pas trop grosses. Il est également important de boire beaucoup d'eau tout au long de la journée et de rester actif. Conseil diététique pour perdre du poids. Vous pouvez perdre du poids en adoptant une alimentation saine. Essayez de remplacer les glucides raffinés par des grains entiers, des fruits et des légumes dans votre alimentation. Évitez les aliments transformés et raffinés comme le sucre, la farine blanche, les aliments en conserve et les produits de boulangerie. Au lieu de cela,
Grignoter des fruits ou des alternatives plus saines telles que du pop-corn avec de l'huile d'olive ou des noix. 6 aliments sains qui vous aident à perdre du poids. Perdre du poids est un processus difficile qui demande du dévouement et des efforts. Il peut être difficile de rester au régime et d'éviter les tentations alimentaires malsaines. Nous avons compilé une liste de 6 aliments sains qui vous aident à perdre du poids. Vous pouvez donc vous assurer de les inclure dans votre alimentation. Vous pouvez consommer. L'huile de noix de coco. L'huile de noix de coco est une excellente source de graisses saines qui sont essentielles pour perdre du poids. Il est chargé d'antioxydants et présente d'autres avantages pour la santé, comme l'amélioration de la digestion et la réduction du risque de maladies cardiaques. Brocoli. Le brocoli contient de la vitamine C, de la vitamine K, des fibres, de l'acide folique, du potassium et du manganèse qui sont tous essentiels à un métabolisme sain. Il contient également du sulforaphane qui aide aux réactions de détoxification dans le corps. L'œuf est un produit agricole issu d'élevages divers et utilisé comme aliment humain simple ou servant d'ingrédient dans la composition de nombreux plats dans la plupart des cultures du monde. Concombre. Le concombre ne contient que 13 calories au 100 g, car il est composé à 96% d'eau. Grâce à sa forte teneur en eau et à son volume élevé, le concombre assure également une bonne satiété. Il convient donc parfaitement comme aliment pour la perte de poids. Carottes. Les carottes sont relativement pauvres en calories, 38 kcal 100 g, et riches en fibres, 2,6%, c'est pourquoi elles procurent une bonne satiété. Elles sont également riches en vitamine A et en bêta-carotène, ce qui est bon pour les yeux. Avocats. Leur potassium, leur graisse saine et leurs 3% de fibres font des avocats un aliment minceur parfait. En mangeant ce fruit dans une salade, l'avocat est considéré comme un légume et augmente considérablement votre apport en nutriments. Mais attention, prenez toujours en compte son nombre élevé de calories, 3 fois plus qu'une pomme, alors n'en abusez pas. Les conseils pour rester maigre. Comment rester mince, comment ne pas grandir. Il existe quelques astuces qui peuvent vous aider à rester mince et à ne pas grandir. 1. Mangez des aliments sains et évitez la malbouffe. La malbouffe est riche en calories et vous fera grandir. Une alimentation saine est riche en vitamines, minéraux, protéines et nutriments essentiels qui vous aideront à rester mince. 2. Ne mangez pas trop. Manger trop vous fera grandir et augmentera le risque d'obésité. Il est important d'avoir une alimentation équilibrée qui comprend les 3 principaux nutriments, protéines, glucides, lipides, pour rester en bonne santé sans grandir ni devenir obèse. 3. Buvez beaucoup d'eau. Boire de l'eau aide à la digestion, ce qui réduit le risque de trop manger ou de manger des aliments malsains comme la malbouffe ou la restauration rapide, ce qui entraîne l'obésité et l'augmentation de la taille.